Alpha, nous avons supprimé votre chaîne YouTube. Ah putain, comment je vais faire pour récupérer ma chaîne YouTube? Nous avons rétabli votre chaîne YouTube. Ah bah voilà, mais c'était pas si compliqué en fait. Hein. Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Alpha. Alors voilà, je fais officiellement mon retour. Voilà, ça fait... Attends, ça fait combien d'années, de siècles que je suis pas revenu sur YouTube? Bon, ok, j'abuse un peu. Mais voilà les amis, donc je suis de retour, tout simplement parce que ma chaîne YouTube a été supprimée, mais j'ai réussi à la récupérer. Hein. Une petite merde comme moi a réussi à genre à négocier avec l'équipe YouTube officielle. Genre l'application YouTube que tout le monde utilise, l'équipe officielle, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Bref, en tout cas, on peut dire que j'ai eu vraiment de la chance. J'ai pas envie de dire pourquoi, j'ai envie de passer à autre chose. J'ai envie de faire mon retour, refaire des vidéos à l'heure normale. Parce que ce truc, je déteste. C'était vraiment un moment très 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 dur pour moi. Parce que ma chaîne YouTube, c'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et encore, vous savez pas, hein, mais il y a plein de vidéos privées, par exemple, extraits. Comme toi, c'est bon, affiche pas tout, j'ai des dossiers et tout, t'inquiète. Si j'ai une casquette, c'est pas pour faire le beau gosse, etc. C'est juste que mes cheveux partent complètement en couille. Et c'est chiant. Donc voilà, j'ai mis une casquette comme Fuse 3, hein, d'ailleurs. Il y en a qui vont me dire, ouais, tu plagies Fuse 3 parce que tu mets une casquette. Tu plagies Cyprien parce que tu parles français. Bref, je parle un peu trop. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle série où on va comparer différentes choses qu'il y a sur Minecraft Bedrock et différentes choses qu'il y a sur Minecraft Java et inversement. Dans ce premier épisode, nous allons comparer le Build Battle Java et le Build Battle Bedrock. Et là, vous allez me dire, oui, mais attends, Build Battle, c'est pareil, Bedrock et Java, enfin, c'est le même concept. Oui, mais pas tout à fait. Nous allons étudier la maturité des joueurs, le niveau des joueurs, le respect des joueurs, les votes des joueurs, comment s'est fait le Build Battle, les décorations autour, etc. Bref, on va évaluer un peu tout ça. Bien entendu, on va aller sur les meilleurs serveurs des deux versions différentes. Ça veut dire pour Bedrock, on va aller sur Hive. Et pour Java, on va aller sur Hypixel. Enfin bref, c'est parti pour la vidéo. On va lancer l'intro. Et nous allons commencer avec la version Bedrock Edition, donc la version la plus détestée de Minecraft. Non mais sérieux, joueur Java, pourquoi vous détestez autant cette version? Franchement, il y a plein de trucs cool, etc. C'est juste, vous voyez que le mauvais côté des choses, c'est incroyable. Build Battle juste ici, c'est beaucoup mieux présenté que sur Java, mais bon, ça c'est le truc, c'est juste le truc pour jouer. On va faire le truc le plus rapide, le plus simple, donc solo, et le temps de construction est de 5 minutes. Donc voilà, le lobby, ça se passe comme ça, donc voilà, on a le truc de Build Battle avec un exemple d'un build que personne n'aurait fait. Même un pro builder ne sait pas faire ça, hein, je pense. En 5 minutes, c'est impossible de faire ça. Ok, c'est parti, nous allons commencer. On va voir le thème. Ça va être quel thème? Attention, c'est traduit. Clochette! Ben, on va relancer. Attention, est-ce qu'un meilleur thème? Oui, un meilleur thème. Bonhomme de neige, voilà, là, ça c'est bien, ça c'est bien. Bien entendu, je vais jouer pour le beau jeu, hein, je suis pas un bâtard. Donc, je sais qu'est-ce que je vais faire. Un truc très très simple. On va tout simplement faire le bonhomme de neige de Minecraft, voilà, on va pas se compliquer à faire des bonhommes de neige, là, et voilà, on va faire un truc comme ça. Cool, les décorations autour, on en a pas parlé, mais voilà, c'est stylé, c'est Noël, etc. Il manque un peu de luminosité, je vous avoue. Voilà, c'est très bien comme ça, là, on va faire un petit, un gros truc, là. On va critiquer le niveau des joueurs, on va pas critiquer le mien, parce que le mien, on sait à quoi s'attendre, c'est-à-dire à un niveau éclaté, voilà, merci. 2 minutes, mais oh là là, que le temps passe vite. Pourquoi en cours de maths, ça ne va pas plus vite que ça? Je ne sais pas. Ah, du coup, je vous ai pas dit, je joue sur manette, voilà. Je joue sur manette parce que sur clavier souris, je suis beaucoup plus lent que ça. Mais les yeux, c'est pas comme ça. Attends, comment c'est fait les yeux déjà? Putain, je sais plus. Je sais plus. Ok, c'est terminé. Je vais vous montrer du coup au moment du vote. Ok, oh le bâtard. Alors lui, bien. Alors, même excellent, vraiment. Putain, il a bien joué. Non, je vais dire bien parce que le chapeau... Ouais, mais non, en fait, non, il est chaud. Hein. Prochaine construction, voilà. Bah,
Pour moi, là, c'est un canard coincé dans un... dans une baignoire remplie de baignoires. Je sais pas. Je sais pas, mais ça, c'est médiocre. Hein. Désolé, ça ressemble à rien. Ah, ben lui, il a essayé de tenter. Ouais, non, en fait, non, c'est nul. C'est nul, c'est médiocre. Alors, désolé. Ouais, je vais dire acceptable. Voilà, je vais dire acceptable parce que c'est dans le thème. Je vais pas essayer de faire le professeur hyper vénère. Oula. Ok. Ok, ok. Ah, ouais, mais l'autre, il méritait excellent, en fait. Hein. Bon, allez, je vais mettre bien. Je vais mettre bien parce que mon truc, il est nul, en fait. Oh, mon niveau, il est médiocre. Ok, pour l'instant, il n'y a pas de bits. Enfin, je sais pas si c'est une bite, ça. Mais, attention, là, c'est quand ma construction. Eh, c'est ma construction, attendez. Est-ce que c'est pas mal? Eh, arrêtez, les gars. Est-ce que c'est pas mal? En vrai, c'est pas mal. J'ai fait la petite traînée, les petits bras, la petite... En fait, c'est la tête, hein. C'est la tête. Putain, j'aurais dû faire, ouais, deux grands yeux, là. J'ai oublié deux blocs noirs en dessous. Ah, merde. Ok, pourquoi il a mis un arbre? C'est un igloo, là, pour moi. C'est un igloo. Je vais mettre acceptable parce que c'était quand même bizarre, hein. Ok, ouais, non, là, c'est en train de se désintégrer, là, le niveau des joueurs commence à être bas. Bon, je vais dire acceptable, du coup, parce que c'est dans le thème. Ah, ben voilà. Ah, ben voilà, un mec qui nique tout. Là, je me disais, vas-y, le niveau des joueurs, ça va, ça passe. Ah, ben lui, il a tout niqué. Ah, merde, j'ai même pas eu le temps de voter, bah. C'est médiocre. Ok, pas mal. Ok, je vais dire acceptable. Acceptable parce que c'était quand même... C'est quand même bizarre. Pourquoi il a fait des petits creux, là? Après, ouais, j'ai oublié de mettre les points comme ça. Ah, les petits détails comme ça, moi, ça fait tout. Hein. Donc, le classement, il y a le premier qui a fait le truc de ouf qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, je ne suis pas dans le top 3. Voilà, je suis très, très déçu. Tes évaluations, il y a eu 4 mai. Il y a eu 4 mai. Mais attends, mais les gens, ils sont trop vénères. Là, ils respectent rien. Ok, 1, 3 good et 1 love. Ah ouais, il y a un mec qui a mis love, genre. Ah ouais, il y a un mec qui a adoré ma construction. Enfin bref, du coup, pour cette partie, bien entendu, il faut prendre cette vidéo à la légère. Voilà, je vais pas faire plein de parties pour voir la maturité des joueurs, etc. C'est justement pour juste une partie, voir comment ça se passe, la maturité des joueurs. On va tout évaluer sur une partie, parce que sinon la vidéo elle va être trop longue. Pour la première partie, voilà, le build battle est très bien fait sur The Rave. Voilà, il n'y a rien à dire. Il y a les votes, il y a le temps, il y a plusieurs modes de jeu dans le build battle. Il y a duo, il y a solo expert, voilà, il y a plein de trucs, c'est cool. Pour le niveau des joueurs, franchement, en vrai, ça passe pour Bedrock Edition. Parce que Bedrock Edition, il y a des jeux. Faut savoir qu'il y a des joueurs mobiles, des joueurs Switch. Franchement, j'ai été étonné. Franchement, il y a des personnes qui construisent vraiment sympa, tu vois, ça passe. C'est pas catastrophique. Pour la maturité des joueurs, franchement, à part une personne qui a tout niqué, putain. Après, pour les votes, bon, il y en a qui ont voté vraiment sévèrement sur moi. Est-ce que je l'ai mérité ou pas? Ben, dites-le moi dans les commentaires. Mais du coup, nous allons aller sur Java Edition. C'est parti! Et boum! Voilà, on se retrouve sur Java Edition. Donc voilà, ça c'est vraiment pas ma version parce que du coup moi je suis tout le temps sur Bedrock Edition. Donc nous allons évaluer le build battle de Java Edition. Du coup ça va être un peu une découverte pour moi aussi. Ok, j'abuse un peu, c'est le build battle de Hypixel. Bien entendu que j'y ai joué plein de fois build battle de Hypixel, c'est logique. Donc voilà, Hypixel build battle, il y a le top. Sur Ivy, le top aussi, c'est juste sur une commande. Donc nous allons jouer au mode solo. Ah ouais, attends, mais il y a moins de monde sur Epic. Quoi? Sur Ivy, on était 1100 à jouer au build battle et là 236 en mode solo. Franchement, je suis étonné. Bref, Epic solo, pourquoi c'est représenté par un bonhomme mignon, je ne sais pas. Allons-y. Voilà, le petit lobby, putain, ah, ça rappelle des souvenirs. Alors voilà, les gens arrivent. Les gens arrivent. Mais les gars, y'a personne là. Allô. Ok, le thème. Ah oui, il faut voter le thème, c'est vrai. Mais pirate, mais non, mais c'est trop dur. Ok, c'est bon. J'ai quoi? Ok, waouh, attends, mais c'est ça le pirate là? Je vais mettre poupe hein, parce que ça c'est pas ouf.
Ok, le pirate, il a mis un bateau. Ah, avec les tentacules du Kraken. Putain, par contre, attends, on n'a pas les. Putain, on n'a pas le temps de voter là. Oui, du coup, ouais, ok, bateau, ok, ben on va mettre ok parce que c'est dans le thème, ouais. Ok, constructeur, il a mis un bateau, ok, parce que c'est dans le thème, allez. Ok, il a mis un bateau, ok, pas mal. Ils mettent tous des bateaux en fait. Pirate, c'est bateau direct. Ok, ah, voilà, là c'est pas mal. Putain, là ça va, le niveau, putain, ouais, en vrai, ça va. C'est dur à faire ça en vrai. Il a mis de l'eau. Ouais, ça c'est pas ouf. Hein. C'est pas ouf, c'est pas ouf. On va mettre poupe. Hein. Là c'est nul. Hein. Ok, c'est Smetou qui a gagné. Bien joué. Bah, il méritait aussi. Il méritait. Avec les vœux d'artifice, c'est bien. C'est beau. La décoration autour aussi, si tu veux, elle était pas mal. C'est un truc genre école. Et voilà, c'en est terminé. Alors, alors là, il y en a plein qui vont m'insulter. Putain, mais attends, t'as complètement favorisé Bedrock à Java là. Bien entendu, j'ai pas construit parce que les gars, je suis nul pirate. Je savais pas quoi faire. Mais de toute façon, on n'évolue pas mon niveau, on évolue le niveau des joueurs et la maturité des joueurs. Donc sur les niveaux, donc sur la décoration, ok, c'est simple. Le build battle est décoré par un mignon, voilà, par un skin mignon. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, pour la décoration, pour rejoindre le jeu, on va placer Mito que Bedrock Edition, c'est beaucoup mieux décoré que Hypixel. Le système de vote pour voter le thème des builds, franchement, c'est pas mal. Franchement, c'est pas le. Je sais pas pourquoi ils font pas ça sur The Hive. Malheureusement, le temps il passe trop vite là, le temps pour voter, on a le temps de regarder mais vraiment à peine la construction. Après, pour le niveau des joueurs, franchement le niveau ça va, il était clair, tu vois. En vrai, il était je crois qu'il était vraiment équitable à celui-là de Bedrock Edition. Allez, on va dire le niveau des Java Edition, c'était quand même mieux que le niveau des Bedrock Edition parce qu'il y en a qui ont fait vraiment des trucs mais dégueulasses sur Bedrock Edition. Bien entendu, on critique tout sur une game. Voilà, faut pas se méfier à une game. C'est juste une impression, voilà, pour donner une impression aux personnes qui hésitent entre le Build Battle Bedrock Edition et le Build Battle Java Edition. Sinon, les vote, ben nickel, équitable, parce que le vote qui a gagné sur Bedrock Edition, c'était le bien le meilleur, et là, c'était bien le meilleur aussi, donc les votes, tout le monde a respecté les votes, donc c'est cool. Donc, quel est le meilleur build battle entre Java Edition et Bedrock Edition? Pour moi, c'est Bedrock Edition, que ça soit pour la présentation, pour du renouveau, etc. Hypixel Build Battle, c'est surtout pour la nostalgie, je pense. On va être honnête, les joueurs Java, Build Battle Hypixel, ça a vraiment pas trop changé, à part des particules, les ajouts, etc. pour m'en rendre les builds plus beaux, etc. Mais bon, il n'y a pas eu de gros changements. Après, c'est normal, c'est Build Battle. Mais sur Bedrock Edition, ça fait un peu du renouveau. La présentation, c'est pas pareil. Les thèmes, c'est pas pareil. Voilà, tout n'est pas pareil en fait. Ah oui, The Hive a aussi un gros avantage, c'est qu'on peut faire des parties privées Build Battle. Et ça, c'est cool. Du coup, avec vos amis, vous pouvez faire des parties privées. Carrément. Alors que sur Hypixel, je pense pas. Franchement, c'est des Build Battle, je crois. Que avec d'autres personnes, t'es obligé d'être avec d'autres personnes. Tu peux pas faire par exemple 1v1 ou 2v2, des trucs comme ça. Bref, les amis, voilà, c'est mon retour. Je vais bombarder les vidéos pour 2022. Ne vous inquiétez pas. Et puis, moi, je vous laisse. C'était Alpha. À plus.